ñëpp di féliciter génération foot, di féliciter génération foot, di féliciter tamit sama équipe. Donc on n'a pas démérité, c'est juste que c'était une finale et fallait que moi am ko gagner. Donc tay génération foot mo gagné, donc dañ leen féliciter. Après ñu défar wat, on a bien joué, je pense on a bien joué, mais malheureusement on n'a pas trouvé le cadre, voilà, donc ça nous a fait défaut. Après au finish ñu dem tir au but, ñu raté, donc ñu gagné ñu, mais bon yalla baxna dañuy défar wat rek inchallah. Wa tournoi bi man je pense que c'est une bonne chose parce que si trêve lañ nek et ça nous a permis ñu japp tank touti xam jouer am compétition touti comme que trêve lañ nek, mais bon je l'ai trouvé bien quand même, c'est une bonne chose. Ah, dernier mot, juste de remercier staff Lustana yep si travail énorme bi ñi def chaque matin di baye sen lepp di ñeu di jappalé ñun ay jeunes talents. Donc d'abord def ñu confiance di ñu jouer l'eau, donc lool rek dañ leen di remercier ñep ñu organiser tournoi bi, voilà, merci. May nuyu ñep di leen sante, franchement tournoi bu normal quoi, parce que maintenant nous au moins nous compétir avant la Coupe du Sénégal ou le championnat régional, franchement ay adversaire de taille quoi. C'est vrai que c'est une bonne équipe, ils nous ont causé beaucoup de problèmes quoi, mais bon on a pu gagner et on est content quoi, franchement. Franchement sun staff dañ leen sante di leen gërëm, parce que ñu ngi def liguey bu extraordinaire, ñu ngi jappalé, ñu ngi pousse à ce que ñu devenir meilleur quoi. Franchement sante nañ président bi, sante nañ sun DT, sante nañ ñëpp quoi. Première édition ngeen gagné quoi, dañuy xaar yeneen édition yi amaat ngeen participer. Waaw, xam nga joueur bu nekk rek day bëgg di cumuler maximum de trophées avant que muy dem quoi, avant muy génn fii wala di dem uti leneen. Moo tax dañ ñaan yàlla gëna am ay trophées quoi. C'est un tournoi d'évaluation pour permettre qui va me permettre de savoir où est-ce que l'équipe se trouve sur le plan organisationnel, sur le plan du football technico-tactique, avec des équipes qui sont quasiment structurées, des centres de formation qui sont capables de recevoir et de sortir à l'extérieur pour ne pas faucher le tournoi, et de voir le travail qui se fait ailleurs. Et c'est du bon travail, c'est une bonne découverte pour tout le monde. Selon vous, c'est une réussite Total. Je suis très content. Je tenais à remercier le président qui a validé ce challenge, le manager général, le DT et le secrétaire général qui nous a accompagnés tout au long de ce tournoi. Exact. Je tenais aussi à remercier toutes les équipes participantes, notamment Génération Foot, Étoile Lusana, Espoir de Guédiawaï, NGB Niar Itali, AFA Football Club et AS Pikin, et Kermadjor de Mboupimbour. J'ai créé un groupe WhatsApp où il y avait des représentants de tous les clubs pour permettre que ce tournoi puisse se passer dans les meilleures conditions, parce que moi j'ai l'idée, mais moi je ne détiens pas le savoir, j'ai besoin de tout le monde, je suis en train d'apprendre avec les autres, on apprend beaucoup plus facilement. Ouais. Effectivement, c'est la première édition, est-ce que ce tournoi sera pérennisé? J'espère, on va tout faire pour ça. Au début du tournoi, il y en a qui avaient dit que ce tournoi n'allait pas terminer. Mais moi j'étais conscient que quand on fait du travail et qu'on y met du sien avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur, on arrive au bout final. Aujourd'hui, vous avez vu, ça a été exceptionnellement bien organisé. Le tournoi est arrivé au bout, victoire des Générations Foot sur Lustana au tir au but. Quand on travaille, je pense qu'on peut espérer la réussite. Et là, c'est que du travail. Le tournoi, il est officialisé. La Fédération Sénégalaise de Football, elle est au courant. Les clubs ont reçu une lettre d'invitation officielle. Tous les matchs sont quasiment filmés. Il y a aussi les licences obligatoires. Il y a les arbitres officiels. Les conditions de match comme ça, les jeunes puissent avoir un temps de jeu qui correspond à la compétition. Ça veut dire que là, on sera avec 8 matchs officiels, les matchs aller-retour. Si le championnat il démarre, pour la coupe, on sera déjà prêt. Effectivement. Bon, peut-être une dernière question. Concrètement, quel est le but recherché dans ce tournoi? C'est comme je dis, pour moi, c'est un tournoi d'évaluation pour l'Ice Picking. Je viens d'être coach. Je voulais savoir, est-ce que le club il est prêt par rapport à moi, ce que j'ai à la main, sur le plan organisationnel, parce que c'est quand même un tournoi, il faut sortir des matchs aller-retour. C'est pour aussi voir ce qui se fait ailleurs en petite catégorie, dans des clubs qui sont vraiment au-dessus du lot par rapport à l'organisation, au terme de travail, pour permettre de nous inspirer d'eux, pour pouvoir aider l'Ice Picking dans la petite catégorie, que l'avenir se prépare ici. Exact. On a notre mot à dire, que ce soit chez les cadets avec coach Idi, ou chez les juniors avec nous.
Mais forcément, si on travaille, on peut donner à l'équipe première des produits qui sortent de la formation pékinoise. Je tenais vraiment à féliciter aussi tout mon staff. Je ne vais pas citer leur nom, mais en tout cas, on s'est réunis tout à l'heure à la fin. J'ai remercié tout le monde. J'ai remercié les dirigeants, j'ai remercié même des supporters qui sont venus nous accompagner.